Bonjour à tous et bienvenue sur Télé et Radio Saint-Pierre-et-Miquelon à l'occasion de cette retransmission en direct de l'ordination de Monseigneur Pierre-Marie Gachy en qualité d'évêque de l'archipel, nommé le 19 juin 2009 par le pape Benoît XVI. Pierre-Marie Gachy sera officiellement reconnu par ses pairs au cours de cette cérémonie, une cérémonie pour laquelle de nombreux invités ont fait le déplacement depuis la métropole et le Canada. En ce moment même, la procession entre dans la cathédrale Saint-Pierre, un cortège d'enfants de chœur, suivi par tous ses invités, parmi lesquels on notera la présence de l'évêque de Metz, Monseigneur Pierre Raffin, ainsi que Monseigneur Jean-Pierre Grallet, l'archevêque de Strasbourg. On a aussi un invité de Terre-Neuve, Labrador, l'évêque de Cornerbrook, David Douglas Crosby. Un autre invité également du Canada, le père Michel Last, qui est le provincial spiritain. Le provincial spiritain, donc le responsable de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, à laquelle congrégation appartient Pierre-Marie Gachy. Nous avons également le père Claude Druy, qui est l'homologue de Michel Last, ce vicaire provincial des spiritains de France. Parmi les invités, notons également la présence chère au cœur de Saint-Pierre, celle du père Alphonse Gilbert, qui va à l'occasion nous apporter la nouvelle de Rome, de la nomination donc de l'évêque Pierre-Marie Gachy. Pierre-Marie Gachy qui est très heureux de retrouver ses frères. Trois de ses frères ont fait le déplacement, Jean-Paul, François et Joseph. Trois frères qui sont également des prêtres diocésains qui se sont donc engagés dans les ordres. En ce moment donc les trois évêques consécrateurs, ceux qui vont ordonner le père Pierre-Marie Gachy, sont devant l'autel. Ils ont salué l'assistance, les paroissiens qui ont entamé le chant d'entrée à l'occasion de cette messe épiscopale du dimanche 11 octobre. Et nous voyons Jean Kolsch qui est l'animateur paroissien, Jean Kolsch qui va tout au long de cette messe faire vivre aux paroissiens la cérémonie, et qui va lancer les chants en coordination avec Georges Cambray, le chef de chœur de cette chorale qui s'est entraîné pendant de longues soirées pour affiner tous ces chants qui vont participer à la célébration de cette messe d'ordination. Parmi les prêtres, on notera également la présence donc du père Gabriel Borner, de Jean-Claude Danielou et du père Joël Lavince, trois prêtres qui sont rattachés ici au vicariat apostolique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Monseigneur Raffin, à l'instant, qui a marqué le début de la cérémonie avec le signe de croix, synonyme de début officiel de cette messe d'ordination. Je vous rappelle que Pierre-Marie Gachy a été nommé le 19 juin et qu'aujourd'hui, il va être consacré. J'ai l'honneur d'adresser un mot de bienvenue à vous tous, mais particulièrement aux personnes qui sont venues d'ailleurs et parfois de très loin pour nous rejoindre en ce moment important où le successeur de Mgr Lucien Fischer va être ordonné. Qu'il me soit permis de citer Mgr Pierre Raffin, évêque de Metz, Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, Mgr David Douglas Crosby, évêque de Cornerbrook, Labrador Terre-Neuve, le père Michel Last, provincial spiritain du Canada, le père Claude Druy, vicaire provincial des spiritains de France,
le père Alphonse Gilbert, Saint-Pierret, en service spirituel au séminaire des missions à Cheville. Les abbés Joseph, Jean-Paul et François Gachy, frères de Mgr Pierre Gachy et prêtre dans le diocèse de Strasbourg. Le père Pierre-Marie Gachy est né le 26 juin 1941 à Colmar, en Alsace. Entré dans la congrégation du Saint-Esprit, il a été ordonné prêtre à Egginsheim, en son village d'origine, le 7 juillet 1969. Il a passé 20 ans en République centrafricaine en tant que missionnaire, où il a exercé entre autres la responsabilité de vicaire général. En France, il a été pendant 10 ans supérieur de la région spiritaine de l'Alsace et de la Moselle. Il était aussi responsable de la communauté de Blotchem pendant 3 ans et 6 ans de celle de Saverne. En septembre 2006, il a été nommé à Famec, où il était prêtre des servants jusqu'à sa nomination par le Saint-Père Benoît XVI comme vicaire apostolique de Saint-Pierre et Miquelon. Il nous a dit vendredi soir à la télévision qu'il a accepté ce nouveau ministère avec sérénité et esprit de fidélité à Jésus-Christ et à l'Église. Comptons sur toute la population pour que l'Église reste et devienne encore davantage signe de l'amour de Dieu qui aime chaque personne humaine. Une introduction qui a été réalisée par Jean-Claude Boissel, un catéchiste de la paroisse. Et maintenant, ça va être au tour de Mgr Raffin de faire une brève introduction à la cérémonie. Frères et sœurs, à mon tour de vous saluer tous très chaleureusement. Je suis heureux de vous retrouver sur cet archipel lointain pour nous, comme la métropole est lointaine pour vous, dans votre diversité, et de vous découvrir. En entrant dans votre cathédrale, j'avais l'impression d'entrer dans une église du Pays basque. Et mon petit doigt m'a dit qu'il y avait parmi vous des catholiques d'origine basque. Alors, comme mon cœur est en partie attaché au Pays basque, je leur souhaite un très chaleureux agour. Ce matin, nous sommes là, plusieurs évêques, pour vous donner au nom du Christ un pasteur selon le cœur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle c'est une ordination, un sacrement, le sacrement de l'ordre, que nous allons célébrer parmi vous et avec vous. Je vous invite à ouvrir vos cœurs, vos oreilles, à vous laisser instruire par les rites de l'ordination. Il n'y a pas de meilleure pédagogie pour découvrir ce qu'est le rôle de l'évêque. Chers frères et sœurs, est-ce un hasard aujourd'hui ou un clin d'œil de l'Esprit-Saint? Il y a 17 ans, le 4 juillet 1992, en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Puttelange au Lac en Moselle, j'étais moi-même ordonné prêtre pour le service de la mission et de l'Église. Et c'est le père Pierre-Marie qui m'avait alors présenté à l'évêque qui n'était autre que Mgr Pierre Raffin, ici présent. Il me revient aujourd'hui, comme un cadet qui s'adresse à son aîné, de vous présenter Pierre-Marie. À l'instant, un membre du conseil pastoral de la communauté de Saint-Pierre et Miquelon nous a brossé les différentes étapes de sa vie missionnaire. Pour ma part, je voudrais souligner quelques qualités de la vie de mon frère aîné dans la vie religieuse et missionnaire. Sans doute l'avez-vous déjà remarqué, Pierre aborde toujours un large sourire. Et pour celui qui croise son chemin,
Il a toujours une parole bonne et constructive. Sa simplicité et sa modestie l'honorent. Dans sa manière d'être et de vivre, la proximité avec les gens, Pierre est d'un abord facile. Voilà bien une qualité spiritaine héritée de nos fondateurs, Claude-François Poulard des Places et François Liberman. Ils nous invitent à vivre la rencontre de l'autre dans la simplicité et le dépouillement. Une autre qualité de Pierre, c'est un homme à l'écoute, un homme ouvert, dialoguant. Je n'ai jamais vu Pierre-Marie se mettre en colère, ni même prononcer une parole plus haute que l'autre. Certains confrères disent de lui, Pierre, c'est la bonté incarnée. Dans ses multiples responsabilités exercées au sein de la congrégation, Pierre a toujours eu ce souci d'accompagner chaque confrère fraternellement. Pierre est aussi un pasteur animé d'un grand zèle apostolique. Comme devise pour son ministère épiscopal, il a choisi cette très belle exhortation de l'apôtre Paul, « L'amour du Christ nous presse ». Oui, le désir de voir s'établir l'amour de Dieu dans le cœur de toute personne lui presse. Pierre-Marie est un homme de communion. Toutes les personnes qui ont jalonné sa vie missionnaire pourraient témoigner mieux que je ne le fais de toutes ses qualités. Et c'est bien pour celle-ci que le pape Benoît XVI lui confie aujourd'hui ce nouveau ministère que Pierre accepte avec sérénité et fidélité à Jésus-Christ et à l'Église, comme il l'a lui-même rappelé dans une interview à la télévision vendredi. Cher Saint-Pierrais et cher Miquelonnais, vous le savez sans doute, l'histoire de la Congrégation du Saint-Esprit est intimement liée à votre archipel et ce depuis François Liberman qui, en 1868, envoya ici deux de ses compagnons. Je suis heureux aujourd'hui que Pierre-Marie, avec le soutien de ses frères spiritains, poursuive cette mission. Je l'invite à avancer en confiance sous le souffle de l'Esprit-Saint, cet Esprit qui nous fait vivre dans la proximité de Dieu et du don de nous-mêmes comme religieux missionnaires. Il est source de tout renouveau et de tout zèle apostolique, comme le souligne la règle de vie spiritaine au numéro 9. Merci à vous de l'accueillir parmi vous comme un frère, comme un pasteur, et de lui ouvrir votre cœur. Au nom du Père Gilles Pagès, provincial de France, que je représente ici, au nom du Père Jean-Paul Or, supérieur général de la Congrégation, et de tous ses frères spiritains, je souhaite à Pierre-Marie Gachy, notre frère, un ministère fécond, et lui exprime notre communion fraternelle, coronum et anima una. Voilà, nous venons d'entendre à l'instant le père Claude Druy, vice-provincial de France, donc qui représente l'ordre des spiritains. L'église de Saint-Pierre et Miquelon vous présente le père Pierre-Marie Gachy, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne pour cette charge. Qu'on en fasse la lecture. La lettre, il s'agit de la bulle papale. La lecture de la bulle papale intervient au début de la célébration. Il y a eu le mot d'accueil de Mgr Raffin, la présentation de l'ordinant, en l'occurrence Pierre-Marie Gachy, et maintenant donc la lecture de cette bulle papale qui sera réalisée par le père Alphonse Gilbert. Le père Alphonse Gilbert qui montre à toute l'assistance cette bulle papale de Benoît XVI qui atteste que l'ordinant est appelé à la fonction épiscopale par le Saint-Père Benoît XVI.
On se souvient qu'à l'époque de l'ordination du père Lucien Fischer, c'était également le père Gabriel qui avait fait lecture de cette bulle. Alors, je vous lirai une traduction française assurée par Monseigneur Raffin lui-même. Benoît, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre cher fils Pierre-Marie Gachy, membre de la congrégation du Saint-Esprit, placé sous la protection du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie, nommé vicaire apostolique des îles Saint-Pierre et Miquelon, et en même temps élu évêque titulaire du Synasa. Salut et bénédiction apostolique. Placé sur le siège du bienheureux Pierre et soucieux du bien spirituel de tout le troupeau du Seigneur, nous estimons que vous êtes doté des dons requis et expérimenté dans les affaires ecclésiales, au point d'être apte à pourvoir aux besoins de la mission du vicariat apostolique des îles Saint-Pierre et Miquelon, devenu vacant après la renonciation de notre vénérable frère Lucien Fischer de la congrégation du Saint-Esprit. Fort de l'avis de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, en vertu de notre autorité suprême, nous proclamons en conséquence vicaire apostolique des îles Saint-Pierre et Miquelon et vous nommons en même temps évêque titulaire du Synasa avec tous les droits et devoirs inhérents à cette charge. Nous vous permettons de vous faire ordonner en dehors de la ville de Rome par un évêque catholique de votre choix dans le respect des règles liturgiques. Au préalable, vous aurez fait la profession de foi catholique et prêté le serment de fidélité envers nous et nos successeurs, conformément aux saintes lois canoniques. Nous vous prescrivons en outre d'informer votre clergé et votre peuple du contenu de cette lettre. Nous les exhortons à vous accueillir de bon gré et de rester unis à vous. Enfin, Fils bien-aimé, nous prions l'Esprit Paraclet de vous assister de ces sept dons. Et avec son aide, vous procurerez aux fidèles confiés à vos soins la nourriture de l'Eucharistie et la force de la parole de Dieu, conformément à la parole de l'Écriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Saint Matthieu 4, 4. Que par sa grâce et avec l'aide de la Vierge Marie, il soit toujours avec vous et avec cette communauté qui nous est si chère. Donnez à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 19 juin de l'an de grâce 2008, la cinquième année de notre pontificat. Benoît XVI, pape. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu et exprimons notre action de grâce par le chant du Gloria. Je vous invite à vous lever. Et
La bulle papale, le décret officialisant la nomination de Pierre-Marie Gachy et à l'instant le chœur de Georges Cambray qui entame le Gloria de Cluny. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses de nous faire signe au long de notre histoire. Ta grande bonté pour les hommes se révèle dans la création du monde, la venue de ton Fils et le don de l'Esprit. Aujourd'hui encore, recrée-nous par ta parole. Et rassemble-nous par ton esprit. Tu veux mettre à la tête de l'église Saint-Pierre et Miquelon ton serviteur et prêtre, Pierre-Marie Gachy. Accorde-lui la grâce d'accomplir fidèlement le ministère épiscopal et guide-le en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Après la prière d'ouverture dite par Monseigneur Raffin, la cérémonie va se poursuivre avec la liturgie de la parole. Le premier texte est un extrait du livre du prophète Isaïe à propos de l'œuvre missionnaire. Et on se souvient donc des paroles très, très élogieuses de Benoît XVI à l'attention de Pierre-Marie Gachy, qui a dit à l'attention donc du nouvel évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'il allait donc repousser. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits,
accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de la pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de la joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Parole du Seigneur. À nouveau donc. Pour le chant du psaume, qui enverrai-je ? Qui sera mon messager ? On retrouve donc bien là l'idée missionnaire à travers les textes donc du prophète Isaïe et également dans ce psaume. Qui enverrai-je donc ? Question lancée à l'Assemblée où Pierre-Marie Gachy va s'avancer tout à l'heure. Pour manifester sa volonté de servir ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Psaume « Qui enverrai-je » qui souligne la démarche pastorale et la mission allouée aux messagers ici au nouvel évêque, donc Pierre-Marie Gachy, qui a choisi pour devise « L'amour du Christ nous presse ». Il s'agit d'un extrait de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, l'épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens qui va être rappelé à l'occasion de cette seconde lecture. De la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit. Quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé.
un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui dans le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Cet épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens qui a été lu par une religieuse de sœur saint Joseph de Cluny, juste avant la lecture de l'évangile. Que les enfants de cœur s'avancent, le père qui va faire la lecture de l'évangile se trouve à ce moment même devant l'autel, un moment de recueillement en ce dimanche 11 octobre, très solennel. Exulte mon esprit en Dieu. Nous allons écouter un extrait de l'évangile de Saint Jean, et pendant ce temps, donc le Monseigneur Raffin qui bénit le prêtre qui va en faire lecture. Cet extrait de l'évangile de Saint Jean concerne la profession de foi et d'amour demandée à Simon Pierre par Jésus. Avec une certaine insistance, vous allez l'entendre, avant que le Christ ne lui confie la charge de l'Église. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes ?»
Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même la ceinture pour aller là où tu ne voulais pas aller. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra encore la ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » La lecture de la parole qui a été réalisée par l'un des frères de Monseigneur Gachy, prêtre diocésain à Strasbourg, en tout cas dans la région de Strasbourg. Monseigneur Raffin qui va s'adresser à son tour aux paroissiens pour son homélie. Seigneur Raffin qui va s'adresser aux paroissiens pour son homélie à travers laquelle il devrait expliquer la charge pastorale, à savoir le rôle et la fonction de l'évêque, ses responsabilités, le cadre de ses interventions. Une feuille de route en quelque sorte que je vous propose d'écouter. Cher Père Gachy, lorsque dans les années 60, vous êtes entré dans la congrégation du Saint-Esprit pour y devenir missionnaire, vous n'imaginiez certainement pas que votre itinéraire missionnaire vous conduirait sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, où vous ont précédé plusieurs confrères spiritains. En arrivant en Moselle pour fonder la communauté spiritaine de Famec, vous pensiez y rester un bon moment, et c'était aussi mon vœu, car le plus souvent, c'est la longueur de l'enracinement qui porte du fruit. Quand l'Église vous a demandé de quitter vos quelques 13 000 paroissiens de Famec pour devenir l'évêque des quelques 6 000 habitants de ce lointain territoire français d'outre-mer, vous avez été un moment perturbé. Puis, comme je vous y ai alors engagé, vous avez répondu affirmativement, avec la disponibilité du missionnaire, prêt à partir là où l'obéissance l'enverrait. Et vous voici, depuis le 19 juin dernier, évêque nommé de ces Français lointains que l'Église catholique comme la République entend respecter dans leur identité et leur histoire particulière. L'Alsace, que vous avez un jour quittée pour servir la mission, est bien représentée, entre autres, par son archevêque et vos trois frères prêtres. Et vous avez eu la délicatesse de demander à l'évêque du diocèse de Metz, où vous travaillez depuis 2006, de vous ordonner évêque, assisté de Mgr Gralet, et de votre prédécesseur, Mgr Fischer, alsacien lui aussi. Comme le rappelait au début de la messe le père Claude Druy, le 11 octobre,
comporte un certain nombre d'anniversaires. D'abord, c'est le 47e anniversaire de l'ouverture du deuxième concile du Vatican par le pape Jean XXIII. 47 ans déjà. C'est l'anniversaire de l'ordination presbytérale du père Claude Druy dans le diocèse de Metz, en l'église de Puttelange-au-Lac. C'est aussi le 22e anniversaire de ma propre ordination épiscopale par un évêque alsacien, Monseigneur Charles Amarin Brandt, alors évêque, Strasbourg n'était pas encore archevêché, de Strasbourg. Vous voyez que les Lorrains et les Alsaciens font bon ménage. Rendons grâce à Dieu. Avec les évêques venus de la métropole et notre confrère canadien, évêque de Cornerbrook, nous allons vous transmettre, par les rites de l'ordination, l'héritage apostolique que nous avons nous-mêmes reçu et vous agréger au Collège des évêques unis au pape, héritier du Collège des apôtres autour de Pierre. Qu'est-ce donc qu'une ordination épiscopale? Souvent, dans les visites pastorales, les enfants me posent la question « Comment êtes-vous devenu évêque ?» Et je réponds invariablement « Le pape m'a nommé et plusieurs évêques m'ont ordonné. » En d'autres termes, on est nommé par une décision de type administratif et l'on est sanctifié par le sacrement de l'ordre dont l'épiscopat représente la plénitude. Père Gachy, nommé, vous l'avez été, je le répète, le 19 juin dernier, et la bulle pontificale que l'on a lue au début de la célébration a rappelé à notre assemblée, avec une certaine solennité, la décision claire et nette du pape Benoît XVI. Dans l'Église latine, c'est le pape qui nomme les évêques au terme d'une enquête longue et minutieuse, tandis qu'en Orient, les procédures de nomination sont plus démocratiques, puisqu'elles font appel à l'élection des évêques d'un même patriarcat. Comme jadis en Occident, certains évêques ont pu être élus par leur peuple. Peu importe, après tout, pourvu que votre nomination ait été faite en bonne et due forme, il nous reste maintenant à vous ordonner. Comment cela va-t-il se passer? J'ai envie de répondre, frères et sœurs, il vous suffit de regarder et d'écouter. Mais attention, dans toute ordination, le plus important n'est pas le plus spectaculaire. L'essentiel de l'ordination épiscopale, ce n'est pas ce qui se voit comme la remise de la mitre ou de la crosse, mais c'est l'imposition des mains par les quatre évêques présents et la grande prière d'ordination ou de consécration dite par l'évêque consécrateur principal et dont la rédaction remonte au IIIe siècle, puisqu'elle est extraite de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Tous les évêques présents disent ensemble, les mains étendues, le cœur de cette prière. Maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres et qui établir l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Vous voyez que l'acteur principal de l'ordination, ce ne sont pas les évêques qui sont là, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons l'invoquer tout à l'heure, au début de l'ordination, pour bien marquer que c'est lui qui agit à travers notre ministère d'évêque. Ces rites fondamentaux
l'imposition des mains et la prière consécratoire, remonte aux Actes des Apôtres, au chapitre 6e, lorsque les 12 établirent 7 hommes présentés par la communauté de Jérusalem pour les services des repas. Pendant toute la durée de cette grande prière, 2 prêtres tiendront ouvert l'évangéliaire au-dessus de la tête de l'évêque ordinant. Ce rite, lui aussi très ancien, veut exprimer que d'une part, la parole de Dieu imprègne et protège le ministère de l'évêque, et de l'autre, que la vie de ce dernier doit être totalement soumise à la parole de Dieu en s'adonnant quotidiennement à la prédication de l'Évangile avec le maximum de patience et de doctrine. Ces rites auront été précédés, à la suite de mon homélie, je l'ai dit, par le chant impelant la venue de l'Esprit-Saint, l'engagement du futur évêque et le chant des litanies des saints, quand l'Église de la Terre célèbre les grands événements. Elle le fait en communion avec toute l'Église du ciel. Et nous pourrons invoquer parmi ces saints ceux que le pape Benoît XVI a proclamés ce matin, enfin c'était ce matin pour Rome, et parmi ces saints, Sainte Jeanne du Grand, qui n'est pas sans relation avec cet archipel, puisque son père, qui était pêcheur de morue, venait pêcher dans les eaux environnantes, et il a disparu un jour en pleine mer, et c'est la disparition de son père qui l'a amené à s'occuper de ses frères et sœurs et qui l'a mis sur le chemin de l'aide aux plus pauvres. Et puis, parmi les nouveaux saints, le célèbre père Damien de Wester, un flamand, qui a terminé sa vie sur l'île de Molokai parmi les lépreux. Il avait tellement servi et aimé les lépreux qu'il est devenu lépreux lui-même. Et puis il y a d'autres saints, mais je ne vais pas les évoquer tous. Ordonné évêque par l'imposition des mains de vos futurs frères évêques et la prière d'ordination, il vous restera à recevoir sur la tête l'onction avec le saint crème, rite repris de l'Ancien Testament où l'on loignait d'huile prêtres, prophètes et rois. Il s'agit aujourd'hui de l'onction du Messie, du Christ, dont nous a parlé tout à l'heure la lecture d'Isaïe et à laquelle la grâce de l'ordination vous donne part. Ce rite, aujourd'hui très discret, avait pris un relief important au Moyen-Âge, au moment où l'on voyait dans l'ordination de l'évêque l'équivalent du sacre du roi. Puis, vous recevrez l'évangéliaire que l'on avait placé sur votre tête pendant la prière consécratoire, symbole de votre mission de maître de la foi et de héros de la parole. Puis, L'anneau épiscopal, qui est le signe de l'union nuptiale de l'évêque à son Église. Le Christ est l'époux de son Église, et ses ministres, en particulier les évêques, sont époux de l'Église qui leur a été confiée. La mitre, symbole de votre autorité magistérielle, et enfin le bâton pastoral, la crosse, symbole de votre mission de pasteur. Je vous conduirai alors à votre siège ou cathèdre, autre symbole de votre mission d'enseignant. Vous serez alors pleinement donné à votre peuple en qualité de vicaire apostolique de l'archipel. Aimez vos nouveaux diocésains, comme vous y invite le dialogue de Jésus ressuscité avec Pierre. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Alors sois le berger de mes brebis. En priant ce matin l'office de lecture de ce jour, je suis tombé sur ce beau texte de saint Thomas d'Aquin que je vous livre,
Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, est-il dit en Jérémie. Mais bien que les chefs de l'Église qui sont des fils soient toujours des pasteurs, il est au singulier. Moi, je suis le bon pasteur. Pour faire comprendre quelle est la force de l'amour de charité. Car aucun n'est bon pasteur, sinon celui qui par la charité est devenu un avec le Christ et membre de vrais pasteurs. La charité est l'office du bon pasteur, c'est pourquoi il dit « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis ». Vos frères évêques vous donneront alors le baiser de paix qui vous agrège au collège des évêques. Et dans quelques semaines, début novembre, en vous rendant à Lourdes pour la conférence des évêques de France, qui réunit chaque année les évêques métropolitains et ceux des dom-tom, vous éprouverez, je l'espère, quelque chose de la dulcedo fraternitatis qui unit en principe les successeurs des apôtres. Il vous restera alors à présider Es Qualité, la célébration eucharistique qui inaugurera votre nouveau ministère. Axios esti, il est vraiment digne, diraient alors des chrétiens de langue grecque. Ad multos annos, diront plus prosaïquement les latins. En tout cas, Père Gachy, que Dieu vous garde longtemps à son service, serviteur de sa joie. Amen. L'itinéraire missionnaire rappelé par Monseigneur Raffin, l'itinéraire missionnaire de Pierre-Marie Gachy, Monseigneur Raffin qui a donné les différentes étapes, qui a rappelé les différentes étapes de cette ordination, en précisant tout de même que le plus important n'est pas forcément le plus spectaculaire. Il a longuement insisté sur ce moment que nous allons vivre dans un moment, à savoir cette imposition des mains qui sera réalisée par les quatre évêques qui participent à la consécration de Pierre-Marie Gachy. On se souvient bien, donc, il a insisté sur ces différentes étapes qui vont commencer par l'engagement. L'engagement qui va, des questions qui vont être posées à Pierre-Marie Gachy pour s'assurer de sa volonté de poursuivre et d'accepter donc officiellement dans cette église, devant ses paroissiens, sa mission d'évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les préparatifs sont actuellement en cours. Pierre-Marie Gachy, pardon, s'est levé. Il va être rejoint par les évêques consécrateurs. Monseigneur Grallet, l'archevêque de Strasbourg, mais également Monseigneur Lucien Fischer. Le vicaire émérite de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pierre-Marie Gachy s'est avancé devant l'autel où il va être interrogé par Monseigneur Raffin. On retrouve là le symbole de pierre qui a été évoqué à l'occasion de l'évangile de Saint-Jean, à qui Jésus demande de témoigner de sa foi et de son engagement. Pierre-Marie Gachy, assisté du père Joël, un des trois prêtres qui l'aideront dans son ministère ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme je l'ai déjà annoncé, nous allons invoquer l'Esprit-Saint, souffle imprévisible, Esprit de Dieu. Je vous invite à vous lever.
l'esprit paraclète évoqué dans la bulle papale de Benoît XVI, l'invocation à l'Esprit Saint selon Monseigneur Raffin, un moment important qui marque la présence de cet invité invisible qui va contribuer à la consécration de Pierre-Marie Gachy. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que les évêques mettent et enlèvent leur mitre à plusieurs reprises au cours de cette cérémonie lorsqu'ils la portent comme en ce moment. De l'Église. Cela symbolise leur autorité sur la communauté chrétienne rassemblée. Il soit demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à ma mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, s'il y en a, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Et après cet engagement à suivre le Christ et à conduire le peuple des baptisés, Pierre-Marie Gachy. Pierre-Marie Gachy, qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qu'il lui donne l'abondance de sa grâce. Voilà donc Pierre-Marie Gachy qui va se prosterner devant l'autel. Je vous le disais tout à l'heure, les évêques sont appelés à mettre ou à retirer leur mitre, leur coiffe liturgique tout au long de cette cérémonie. Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean, priez pour nous. Tous les saints apôtres, priez pour nous. Sainte Madeleine, Saint-Étienne et Saint-Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Agnès perpétue et félicité, Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous. Saint Odile et Saint Christophe, priez pour nous. Saint Louis de Gonzague, priez pour nous. Saint Troisième, Saint Benoît, priez pour nous. Saint Dominique et Saint François, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Sainte Catherine et Sainte Thérèse, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, guéris-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal, guéris-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous allons imposer les mains. Répands sur lui ta bénédiction toute puissante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les évêques vont procéder à l'imposition des mains sur Pierre-Marie Gachy, qui s'est relevé. Un signe de soumission et d'humilité, car il se met cette fois à genoux. Un instant très solennel au cours de cette cérémonie. Les évêques s'avancent tour à tour pour transmettre à Monseigneur Pierre-Marie Gachy tout le soutien de l'Église et de l'Esprit Saint, l'Esprit paraclet qu'évoquait le pape Benoît XVI dans sa bulle d'introduction, ce décret officiel dans lequel Pierre-Marie Gachy a été nommé évêque. Cette imposition des mains symbolise donc la transmission de la tradition apostolique. Juste après cette litanie des saints, où toute l'énergie bienfaitrice des saints qui ont marqué l'histoire de l'Église a été appelée pour venir en aide à Pierre-Marie Gachy à ce moment crucial de son ordination. Dieu et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles,
toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres, et tu as toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, l'esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres, qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint, en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu en as disposé toi-même et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus, à toi notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'évangéliaire ouvert sur la tête de l'ordinant signifie qu'il est ordonné au nom de l'Évangile et qu'il reçoit ainsi la parole de Dieu en tant qu'évêque pour ensuite la porter, la communiquer aux autres. Nous sommes au cœur de la célébration. Recevez l'Évangile. Du sacrement de l'ordination. Prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Les évêques se sont installés devant l'autel. Pierre-Marie Gachy est toujours à genoux. Il va être oint de l'huile sacrée. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre. Qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Monseigneur Gachy, donc, qui est marqué par le Saint-Crème. Monseigneur, afin d'insister sur ce moment, car l'huile sainte doit pénétrer la peau du nouvel évêque en signe d'imprégnation de l'Esprit Saint au plus profond de son être pour l'aider dans l'accomplissement de sa nouvelle mission. L'évêque peut être comparé en quelque sorte à un ouvrier de Dieu et comme à tout ouvrier, des outils vont lui être confiés. Il y a eu l'évangéliaire. Et comme l'a annoncé Monseigneur Raffin dans son homélie, plusieurs objets qui vont lui être remis pour signifier son appartenance d'une part à l'Église, mais également lui rappeler son rôle d'annonciateur de la bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle, c'est la traduction littérale. Un moment de recueillement pour Monseigneur Pierre-Marie Gachy face à son évêque consécrateur, l'évêque de Metz qu'il a bien connu tout au long de ces 3 années où il a œuvré en Moselle en tant que curé de la ville de Famec.
L'anneau épiscopal. Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Cet anneau épiscopal qui symbolise l'union des hommes et de Dieu, le gage également de fidélité, la fidélité de l'évêque. La mitre, qui nous vient du mot mitra, qui signifie bandeau en grec. Elle était auparavant exclusivement réservée au pape jusqu'au 11e siècle. Que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Et enfin la crosse. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Et maintenant, je vous conduis à votre cathèdre, le siège de votre ministère. Le bâton du berger utilisé non pour brimer, mais pour guider son troupeau. L'assemblée qui se lève pour saluer son nouvel évêque. La prise de possession du cathèdre est le dernier acte de cette cérémonie d'ordination. Pierre-Marie Gachy est le nouvel évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et voilà le premier mot qu'un évêque ordonné dit, c'est credo. Il nous invite maintenant à dire le credo. Ensemble, exprimons notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui se soucie de son peuple. Amen. On va faire le baiser de paix qui n'a pas été fait. Oui, 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 après le credo, oui. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Credo, credo. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre nouveau confrère dans le collège épiscopal. Le Monseigneur Jean-Pierre Gralier qui faisait remarquer tout à l'heure que le baiser de paix n'avait pas été donné à Pierre-Marie Gachy. C'est chose faite. L'accolade de Monseigneur Raffin ainsi que tous les évêques et religieux présents à l'occasion de cette ordination. Donc nous
nous avons vu Mgr Lucien Fischer, Mgr Pralé, en ce moment même l'évêque de Cornerbrook. Ce baiser de paix qui symbolise la reconnaissance de Mgr Jean-Pierre-Marie Gachy en tant qu'évêque par ses pairs. Il entre ainsi dans la grande famille des évêques de France, la conférence des évêques. Et Mgr Raffin le rappelait tout à l'heure, il aura l'occasion de siéger à Lourdes à l'occasion du rassemblement de cette conférence des évêques très prochainement. Mgr Pierre-Marie Gachy qui va saluer ses frères en ce moment même pour leur donner le baiser de paix et partager avec eux ce moment très important pour lui, ses premiers moments en tant qu'évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut savoir que cette cérémonie d'ordination se déroule en deux parties. Il y a eu tout ce cérémonial ayant trait à sa consécration. Et l'évêque est chargé d'annoncer la parole et de procéder à son tour au sacrement. Et il va célébrer sa première messe dans quelques instants. Sa première messe, évidemment, en tant qu'évêque. Au cours de cette cérémonie d'ordination, la charge pastorale lui a été redéfinie à plusieurs niveaux. Il y a eu les textes. Pour le chant d'offertoire... Il y a eu les que signes. Que vive mon âme à te louer. Et en ce moment, la célébration de la messe. Cœur de chaque messe, la liturgie eucharistique. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons qu'il devienne le pain du royaume éternel. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. La célébration de l'Eucharistie en signe du dernier repas du Christ et de son sacrifice. La première messe en tant qu'évêque de Pierre-Marie Gachy, devant ses paroissiens de Saint-Pierre et Miquelon. Pierre-Marie Gachy qui se prépare à célébrer cette messe avec la purification des offrandes. À l'occasion de cette ordination, plusieurs signes, je vous le disais tout à l'heure, ont été rappelés à Mgr Pierre-Marie Gachy sur sa mission et son rôle au sein de l'Église. Il y a eu donc les textes, que ce soit la deuxième épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens, le psaume ou encore l'extrait du livre d'Isaïe et l'évangile de saint Jean. L'idée de l'annonce de la parole sacrée, de la bonne parole qui était au centre des Écritures de ce dimanche 11 octobre. Et puis il y a eu l'homélie de Mgr Raffin, l'évêque de Metz, qui a rappelé que l'acte d'engagement d'un évêque est une manifestation de la foi et que cette foi prend tout son sens dans l'amour. Un amour dont faisait déjà part vendredi soir lors de son intervention télévisée au journal télévisé donc de Pierre-Marie Gachy, qui disait qu'il était là pour apporter réconfort et paix aux paroissiens de Saint-Pierre et Miquelon. Merci bien. Mgr Raffin qui a rappelé son hésitation avant d'accepter sa charge d'évêque et puis finalement qui a accepté de se rendre disponible selon le souhait du Vatican. Pierre-Marie Gachy, que nous allons retrouver à l'occasion de cette célébration de l'Eucharistie et de cette prière d'offertoire. Pendant que les enfants de chœur terminent le tour un petit peu de tous les religieux et personnalités présentes, que ce soit au niveau des autorités civiles et militaires, que ce soit les paroissiens qui sont venus en nombre ce dimanche matin, également ceux qui nous suivent à la radio ou à la télévision. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. À l'occasion de cette ordination épiscopale, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange. Donne efficacité par ta grâce à l'action que tu nous donnes d'accomplir, sans que nous l'ayons mérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle.
et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Salve Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment un Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. La célébration du pain et du vin, moment fort de cette messe très solennelle, dite par Mgr Pierre-Marie Gachy et tous les religieux présents à l'occasion de cette cérémonie. Gloire à toi qui es vivant. Yeah.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Damien de Molokai, Sainte Jeanne Jugan et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, sur notre frère Pierre-Marie Gachy, qui vient d'être ordonné évêque de cette Église. Veille sur l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et surtout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont guidé ce monde et dont tu connais la toiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous avons successivement entendu Mgr Raffin, Mgr Gralet et à l'instant Mgr Fischer qui ont concélébré cette bénédiction des offrandes, soulignée par les chants de la chorale dirigée par le chef de chœur Georges Cambray. Unis dans le même esprit, celui qui nous rassemble aujourd'hui, celui qui nous ouvre à l'Église universelle du monde entier, celui qui nous unit à tous ceux qui nous ont déjà quittés, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Thank you.
Pierre-Marie Gachy, Monseigneur Gachy. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous disais, Pierre-Marie Gachy. Le Seigneur nous a donné cette paix, sa paix, non pas pour la garder pour nous-mêmes, mais pour la partager fraternellement dès maintenant, par une poignée de main ou un geste d'affection. Partageons la paix du Seigneur. Voilà, donc Monseigneur Gachy qui souhaitait la présence à ses côtés de Monseigneur David Douglas Crosby, que vous avez pu reconnaître à son accent très particulier, de Terre-Neuve-Labrador, Monseigneur Crosby qui nous vient de Cornerbrook. Mais en ce moment même, les évêques, les religieux, les prêtres s'échangent le baiser de paix, le geste de paix. Monseigneur Gachy qui a insisté, et on reconnaît bien là sa devise qui est « L'amour du Christ nous presse ». Un amour qu'il entend apporter à ceux qui ont pu souffrir, on l'a entendu il y a quelques minutes, de la perte d'un proche, une situation qu'il a lui-même vécue personnellement avec la mort de ses frères et de sa petite sœur. Un amour qu'il qualifie de réconciliation avec les autres, avec notre histoire et au fond avec nous-mêmes. Monseigneur Gachy qui a salué le préfet Jean-Pierre Berceau, la maire de Saint-Pierre, également les personnes présentes à l'occasion de son ordination. Les militaires en ce moment même, du patrouilleur Fulmar. Monseigneur Gachy, donc, il s'avance dans l'allée centrale de cette cathédrale de Saint-Pierre pour partager ce moment de paix. Cette cathédrale Saint-Pierre, avec un vitrail dédié à Jean XXIII, évoqué tout à l'heure par Monseigneur Raffin, à propos de la date du 11 octobre, très symbolique à plusieurs titres, plusieurs anniversaires, a-t-il dit, sont marqués en ce jour. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. La communion qui va avoir lieu dans quelques instants, en ce moment même, donc les religieux qui se préparent à organiser cette communion avec les paroissiens de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Monseigneur Raffin, qui évoquait tout à l'heure l'hésitation, en tout cas la perturbation dans laquelle se trouvait Monseigneur Gachy avant d'accepter la charge de son ministère après la nomination de Benoît XVI, le pape Benoît XVI, et après un moment de réflexion, Pierre-Marie Gachy qui a accepté de venir ici, de quitter donc la Port du Christ, la petite ville de Famec où il se trouvait depuis 3 ans. Le corps du Christ. Et il l'a fait, il nous l'a confié par amour. Le corps du Christ. Puisque pour Pierre-Marie Gachy, aimer, c'est tout donner. C'est des propos qu'on pourra rapprocher de ceux de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait qu'aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, malgré tous les projets qu'il avait pu réaliser pour Famec et la communauté dans laquelle il exerçait depuis 3 ans. Pierre-Marie Gachy a accepté de prendre son bâton de pèlerin, sa crosse épiscopale, pour assumer la charge que lui a confiée Benoît XVI. Il a fallu pour cela quitter son noyau familial, une décision difficile à prendre, mais acceptée au nom de cet amour du Christ qu'il entend partager. Le noyau familial présent à ses côtés à l'occasion de son ordination avec ses frères, prêtres, Joseph, l'aîné, Jean-Paul, son jumeau, et François, les personnalités qui ont jalonné sa vie religieuse également. On l'a dit, Monseigneur Pierre Raffin, l'évêque du diocèse de Moselle, où il a servi ces 3 dernières années en tant que curé de la ville de Famec. Il y a Monseigneur Jean-Pierre Gralet, l'archevêque de Strasbourg. Strasbourg, la ville où Pierre-Marie Gachy a exercé son ministère de 1987 à 1995. Il y a bien évidemment Monseigneur Lucien Fischer, un Alsacien comme lui, à qui il succède à Saint-Pierre-et-Miquelon et avec qui il a eu l'opportunité d'échanger, d'apprendre à son arrivée dans l'archipel il y a une 15aine de jours. Monseigneur Pierre-Marie Gachy qui chante également avec le chœur de Georges Cambray à l'occasion de cette célébration, avec un rayonnement régional voire international, un contexte différent mais pas tout à fait étranger à Pierre-Marie Gachy, dans la mesure où les régions de l'Alsace et de la Lorraine où il a exercé sont frontalières de l'Allemagne et cosmopolites. La proximité du Canada est donc un paramètre qui inspire confiance et renforce l'engagement du nouvel évêque de l'archipel, très ouvert de nature, on a pu le constater. Il était de ce fait enchanté par la présence de Monseigneur David Douglas Crosby, évêque de Cornerbrook, de Terre-Neuve-Labrador. Et parmi les prêtres présents, rappelons celle du père Alphonse Gilbert, originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Établi à Paris, le père Alphonse Gilbert, qui porteur de la bulle papale, comme ce fut le cas le 18 juin 2000 à l'occasion de la consécration du deuxième évêque, de Monseigneur Lucien Fischer. Il y a aussi le père Claude Druy, le vice-provincial de France, qui a fait la présentation de Monseigneur Gachy à l'entame de cette cérémonie. Et le père Michel Last, son homologue canadien, responsable donc de l'ordre de la Congrégation du Saint-Esprit à laquelle appartient Monseigneur Gachy. Et les pères Danielou, Borner et Lavince,
qui auront la charge d'exercer le ministère de l'Église dans l'archipel aux côtés de Mgr Gachy. Puis bien sûr, il y a les paroissiens de Saint-Pierre et Miquelon présents à l'église, ou en ce moment même devant leurs écrans de télévision ou à l'écoute de leur transistor à l'occasion de cette retransmission en direct de cette messe d'ordination. La conduite de la messe qui a été assurée par Jean Kolsch, l'animateur paroissial, toujours très présent dans ces moments. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà donc cette cérémonie qui touche à sa fin. Il y aura dans quelques instants des discours de remerciement. On entendra notamment Madame Edith Divet, enseignante à l'école Saint-Odile. Elle précédera le discours, le mot adressé par Pierre-Marie Gachy. Permettez-moi, comme archevêque de Strasbourg, de dire quelques mots de gratitude. Car beaucoup de liens lient l'Alsace avec l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Je voudrais simplement dire merci, mais dans quatre directions différentes. Le premier merci, c'est pour une famille généreuse, la famille Gachy. Vous avez vu que votre nouvel évêque est entouré de trois de ses frères. Ils étaient quatre et même cinq à rentrer au séminaire à Strasbourg. L'un, hélas, est décédé. La famille est plus vaste, certains sont restés en Alsace, mais je voudrais remercier sincèrement la famille Gachy pour sa générosité à servir l'Église là où ils sont. Mon deuxième merci, c'est pour dire merci à l'Alsace qui a donné tant de missionnaires et tant de prêtres et qui sont venus ici. Et bien sûr, j'honore la mémoire de Mgr Maurer et puis je salue encore mon frère Lucien Fischer, qui va maintenant revenir en Alsace. Bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de te recevoir, même s'il y a du regret parmi vous de le voir partir. Un hommage de l'Assemblée à Mgr Lucien Fischer, salué par Mgr Gralet, archevêque de Strasbourg. Le merci dans la troisième direction, c'est bien sûr pour les Spiritains, toute la famille du Saint-Esprit, qui est si généreuse, si présente partout dans le monde et qui est si fidèlement à votre service dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Merci à vous, mes frères et pères. Et enfin, je voudrais dire merci à vous qui nous accueillez, vous, chrétiens de Saint-Pierre et Miquelon. C'est beau de recevoir l'hospitalité de votre part. Merci à vous tous. Comme Mgr Pierre Raffin, je vous dis être très honoré par votre accueil et votre présence. Et puisque, avec Mgr Raffin, je partage l'honneur d'être à la tête d'un diocèse concordataire, naturellement, je termine par ce que je commence habituellement dans la cathédrale de Strasbourg. Je vous salue, vous, messieurs et mesdames, les représentants de la République. Votre présence nous honore et montre à quel point, dans cette République laïque,
dans cette laïcité bien comprise, nous pouvons collaborer pour le bien de l'homme et de tous les hommes. Merci à vous aussi. Des remerciements, vous l'avez entendu, à l'attention de la congrégation des frères du Saint-Esprit, des pères du Saint-Esprit, qui ont jalonné l'histoire de la congrégation, du vicariat de l'enseignement catholique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je m'adresse à vous. Tout d'abord, quelques mots pour remercier Mgr Fischer pour les 10 années passées sur l'archipel et pour tout le travail accompli avec chacun d'entre nous au titre de directeur diocésain. Au nom de tous, Mgr Fischer, je vous souhaite une bonne retraite active dans votre Alsace natale et une bonne santé. Merci. Édith Divet, à l'instant, qui remerciait Mgr Lucien Fischer pour son action en tant que directeur diocésain, donc de chef de l'enseignement privé ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, nous accueillons Mgr Gachy, qui prendra à son tour la charge de la direction diocésaine. Mgr, nous apprécions votre engagement au service de notre communauté. Nous sommes confiants de poursuivre sereinement à votre côté le projet éducatif de l'enseignement catholique pour le bien des enfants qui nous sont confiés. Au nom de tous, Mgr Gachy, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Un mot d'accueil qui est salué par une salve d'applaudissements. Mgr Gachy qui a remis sa mitre et qui s'avance à son tour pour s'exprimer devant ses paroissiens à l'occasion de son premier discours en tant qu'évêque ici à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la cathédrale de Saint-Pierre. Chers confrères, pères, frères et sœurs, vous devinez ma surprise lorsqu'on m'a transmis l'appel du Saint-Père Benoît XVI pour devenir votre pasteur à la suite de mon confrère Lucien Fischer. J'ai compris que cet appel n'était pas dû à mes qualités ni à mes mérites, mais à l'action de l'Esprit-Saint qui veut m'associer à vous afin de pouvoir poursuivre son œuvre avec vous. C'est donc à Dieu que je rends grâce. Je lui rends grâce de m'avoir guidé tout au long de ma vie, à travers des moments de faiblesse, d'hésitation, mais aussi beaucoup de joie et beaucoup d'espérance. Pour parler de la sollicitude du Seigneur à mon égard, je citerai, comme cela a déjà été fait, je citerai en premier ma famille, qui reste pour moi un solide lieu d'enracinement, de soutien, et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, est représenté par 3 de mes frères. Je pense aussi à la congrégation du Saint-Esprit, ma congrégation, qui a assuré une bonne partie de ma formation intellectuelle et spirituelle. Sa présence est assurée par 7 confrères qui ont déjà été présentés. Je pense particulièrement au provincial du Canada qui s'est déplacé pour cette célébration et au vicaire provincial de France. Je dois également beaucoup à l'église en Centrafrique où pendant 20 ans j'ai été le témoin des merveilles de Dieu malgré des conditions de vie très éprouvantes et des difficultés qu'on aurait pu éviter. L'église en Alsace est le berceau dans lequel j'ai grandi, où j'ai eu l'occasion d'exercer une activité pastorale pendant 10 années. Elle est représentée par l'archevêque de Strasbourg, Mgr Gralet, qui vous a adressé la parole tout à l'heure, et 3 de mes frères prêtres. Ils n'ont pas craint de franchir l'océan pour être parmi nous aujourd'hui. Un grand merci. Ma dernière affectation à devenir ici était à Famec en Moselle. Lorsque l'appel pour Saint-Pierre-et-Miquelon m'a été adressé, Mgr Raffin, évêque de Metz, m'a dit des paroles de ce genre. Avec votre départ, nous y perdons
Mais au nom de la solidarité dans l'Église universelle, nous ne pouvons pas refuser. Et comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, c'est aussi la fête anniversaire de son ordination sacerdotale, de son ordination épiscopale, le 22e anniversaire. Et malgré un emploi du temps chargé, il a accepté de renforcer ce lien de solidarité par sa présence aujourd'hui. Monseigneur David Douglas Crosby, évêque de Cornerbrook, du Labrador, Terre-Neuve, par sa présence, tisse des liens de fraternité entre nous, pas entre moi et lui, entre nous et son diocèse, notre voisin. Un grand merci d'avoir manifesté cette proximité cordiale par votre présence. Par ailleurs, comment oublier la famille, les membres de la famille et les nombreux amis qui se sont unis à notre assemblée par la pensée et la prière. L'assemblée ecclésiale que nous formons en ce moment, elle est importante, certes, mais elle est bien plus importante, celle qui existe en réalité et que nous ne voyons pas de nos yeux. Et je me tourne maintenant vers le peuple de Dieu, de Saint-Pierre et Miquelon. Et je rends grâce à Dieu pour vous tous ici présents, mais aussi pour les personnes de Miquelon qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre puisqu'il n'y avait pas de moyens de transport pour venir. Je pense aussi aux personnes de l'hôpital qui ne peuvent pas être parmi nous et qui l'auraient pourtant souhaité, de la maison de retraite, les personnes qui sont absentes pour de multiples raisons. Eh bien, elles aussi font partie de notre assemblée aujourd'hui. Mais je pense tout d'abord, comme cela a déjà été dit aussi, à votre pasteur qui vient de me transmettre le relais, Lucien Fischer. Il m'a aidé à faire les premiers pas chez vous, puisque je suis venu à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la première fois. Je suis venu le 12 septembre, donc il y a un mois à peu près. Père Fischer m'a confié à des laïcs, m'a confié donc à un peuple chrétien dans lequel il avait travaillé pendant de nombreuses années avec les prêtres spiritains qui l'ont soutenu dans son activité et qui continueront à rester à mes côtés. Je pense à Joël, à Gabi, à Jean-Claude, à tous ceux qui sont là. Mais je pense aussi aux communautés des religieuses, la communauté qui est à Saint-Pierre et celle qui est à Miquelon, et qui sont également un appui vraiment très fort pour nous aider dans notre marche d'église. Aujourd'hui, je voudrais également remercier la chorale. La chorale, un grand merci, qui souvent, jusqu'à 11 heures du soir, répétait encore afin que notre célébration soit belle. Un très grand merci à la chorale, à l'organiste, mais aussi à tous les bénévoles, et il y en a beaucoup. Les bénévoles, les travailleurs de l'ombre, on ne les voit pas parce que quand nous rentrons à l'église, tout est prêt, parce qu'ils ont tout préparé. Quand nous rentrerons tout à l'heure dans la salle des fêtes, eh bien, tout sera prêt parce qu'ils ou elles ont préparé, ont pensé à nous. Un très grand merci à tous ces bénévoles. Merci aux techniciens et à tout le personnel de RFO qui assure la transmission de notre office sur les ondes. Je pense qu'au moment de Noël et à d'autres occasions, ils sont également présents. Et eux aussi sont discrets. Ils ne se font pas entendre. Merci à tous. Merci aux multiples laïcs engagés dans différents services. Je ne peux pas les citer tous parce que je risque d'en oublier. Mais eux aussi, ils contribuent à rendre notre Église plus vivante. Merci aux laïcs chrétiens qui sont engagés dans les services de la municipalité ou dans les services différents, dans les associations. Ils contribuent à façonner un monde selon le cœur de Dieu. Ils ne sont pas directement engagés dans la liturgie ou dans l'Église, mais ils sont chrétiens et ils apportent
la parole d'Évangile à travers le service qu'ils rendent. Et je voudrais remercier également toutes les personnes officielles, comme cela a déjà été fait, et qui se sont associées à nous, et toutes les autres personnes qui sont venues nous soutenir par leur présence et montrer une proximité, une grande proximité, et que un travail commun est possible. Merci, Seigneur, pour vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant et ensemble, nous pouvons aller loin. Seul, personne ne fait rien. Il me plaît souvent à citer cette parole. Nul n'est quelqu'un tout seul. C'est uniquement avec les autres et tous les autres que nous sommes quelqu'un. Ce sont nos relations qui nous constituent et qui nous permettent d'être une personne adulte et responsable, d'être solide dans le service qu'on a à rendre. Eh bien, merci à vous toutes, à vous tous. Et à la fin de cette célébration, évidemment, vous tous, vous êtes invités à continuer à prolonger cette célébration au verre de l'amitié qui va être offert, comme vous le savez. Monseigneur Pierre-Marie Gachy, avec des remerciements très significatifs entamés par ce signe d'humilité. Je ne suis pas ici par mes qualités ou par mes mérites. Et un discours qui se termine en disant que seul on ne peut rien, mais qu'il faut l'effort de tous pour que l'action prenne corps. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, donne ton esprit de sagesse aux évêques que tu as chargés de le conduire, pour que la croissance de tes fidèles dans la foi fasse leur joie en ton royaume. Toi qui diriges nos vies par ta puissance et mesures le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre faiblesse et fais-nous vivre dans la paix que toi seul peux nous donner. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as appelé à la charge d'évêque, donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Mets un même amour au cœur du peuple et de son chef. Que toujours le troupeau marche avec son pasteur et que toujours le pasteur soit au service de son troupeau. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Christ. Pour la procession de sortie, chantons pour Jésus qui nous appelle. Thank you.
C'est après une cérémonie d'un peu plus de 2 heures que s'achève notre émission spéciale de ce dimanche 11 octobre. Je vous rappelle donc que Mgr Jean-Marie Gachy a officiellement été ordonné évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une consécration qui a été réalisée par Mgr Pierre Raffin, l'évêque de Metz, et pour laquelle il a été assisté de l'archevêque de Strasbourg, Mgr Jean-Pierre Grallet, ainsi que par Mgr Lucien Fischer, l'ancien évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui retournera mardi dans sa région en Alsace. L'évêque de Cornerbrook, de la province canadienne de Terre-Neuve, Labrador, était également présent aux côtés des évêques français. Plusieurs prêtres ont concélébré cette messe d'ordination épiscopale. Il y avait les 3 frères de Pierre-Marie Gachy, Joseph, Jean-Paul, François et Léon Michel, certainement en présence dans leur esprit. Léon Michel, décédé 1 an après son ordination. Et il y avait également donc les prêtres de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous remercie pour votre attention tout au long de cette retransmission. Remerciement également à l'adresse de Gaël Duarburne et de toute l'équipe technique qui nous ont aidé à préparer cette émission. Retransmise, je vous le rappelle, en direct à la radio et à la télévision. Je vous souhaite à tous un bon dimanche sur Radio Saint-Pierre-et-Miquelon. À bientôt.